Salam alaykoum, cher. Je voudrais savoir si les enfants, accompagnés de leurs parents, lorsqu'ils sont dehors à l'heure du maghrib, rentrent dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de faire rentrer l'enfant à l'heure du maghrib. Si oui, pour la question, cela dure combien de temps? Tafadhal ya cheikh. Cette question contient deux questions. Lorsqu'ils sont accompagnés, et ça dure combien de temps? Je réponds pour la deuxième. Ça dure combien de temps? Ça dure juste tant que le soleil se couche. Hein? Si on commence à se coucher, enfin, j'ai dit se couche. Ça dure jusqu'à ce que yani, ça devienne bien noir. Parce que quand le soleil se couche, ensuite il y a quelque chose comme ça, un peu yani, de rouge comme ça sur l'horizon. Ensuite, ça devient noir. Alhamdoulilah, c'est juste à ce moment. Et ce moment est assez long, bi-idhnillah, est assez long. Ça peut être 20 minutes, une demi-heure. Non, des fois c'est un peu plus. Le mohim, après quand c'est noir, pleine nuit comme ça, il n'y a aucun problème, bi-idhnillah. Pourquoi? Parce que, comme a dit le hadith, en ces moments-là, vous connaissez que lorsque le soleil veut se coucher, déjà le shaitan se prépare, yani, pour ressembler aux adorateurs du soleil, et il met ses deux cornes entre le soleil pour que les gens yani, qui adorent le soleil, yani, lui, ils trouvent un grand plaisir. Ils disent en même temps, ils sont en train de se prosterner pour moi. Et les shayatins yani, se dispersent sur toute la terre. Non. Quant à, est-ce que s'ils sont accompagnés avec les parents, est-ce que c'est moindre mal? Ça demande un peu de recherche, mais ce que je veux dire, le grave, c'est quand ils sont seuls. Ils sont seuls, yani, pendant ce moment-là. Sinon, si la personne est avec ses parents et qu'il est sorti pour aller yani, acheter ou pour aller, je ne sais pas, ramener de l'école ou ceci ou cela, ça c'est une excuse. Mais le hadith parle que quand on laisse les enfants tout seuls dehors, hein, en ce moment, yani, où les shayatines se dispersent. Shayatines se dispersent. Voilà, rentrer chez la famille, par exemple. Non. Mais il faut faire attention quand ils sont seuls et pendant yani, les minutes où le soleil se couche, c'est toujours yani, c'est jusqu'au Isha, à peu près. À peu près. Après l'Isha, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème. Mais quand je dis il n'y a pas aucun problème, ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser tout seuls yani, après Isha dans la rue, bien sûr. Mais ici, il n'y a pas le problème des shaitans, comme dans la question. Wallahu alam, tfadl.